Vous êtes 5 millions d'abonnés à ma chaîne YouTube. Merci. C'est donc l'heure de répondre à vos questions. Y'a rien dedans. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton appartement? Voilà. À 60 ans, t'imagines-tu faire encore des vidéos? Bah pourquoi pas, hein, tant que je peux créer des trucs sur internet le plus longtemps possible, ça me plaît. Par contre, je pense que ce sera des vidéos assez différentes de celles-ci, hein. L'incontinence! Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu portes pas de couche et que... Ah merde! Ton fils s'appelle Cypri 2. Comment as-tu réagi quand tu as appris qu'il y avait cette rumeur de ta mort dans un accident de voiture? Oh mon dieu, j'adorais tellement ces vidéos! Mais c'est moi? Oh mon dieu, ils sont encore plus tristes! Et champagne. Champagne! T'es viré. Oui, pardon, excuse-moi. Ah, t'es bonne. On te voit toujours. Ah oui, c'est un grand angle. Ouais. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Et c'est plutôt bizarre de répondre à la question d'un cheval. Il te reste une heure à vivre. Que fais-tu? Ok, d'accord, je vais sur un site de cul. Non, je vais voir ma famille. Non, je fais une bonne action et ensuite... T'arrives à lécher ton coude ou tes omoplates? Bien sûr. Combien de temps mets-tu environ pour préparer une vidéo? Alors ça dépend, hein. En tout cas le plus long c'est l'écriture. Ça peut prendre des semaines pour que j'écrive une vidéo qui me plaise. Bon après le tournage et le montage, c'est l'affaire de quelques jours, voilà. T'es pas mort? Si tu serais un Pokémon, tu serais lequel? Alors il y en a clairement un que j'adore. Après des années de travail d'une équipe composée des plus grands artistes japonais, voici le Pokémon le plus élaboré et le plus charismatique depuis la création du jeu. Je parle évidemment de... Métamorph. T'as une meuf, si oui, à quoi elle ressemble? Alors oui, elle s'appelle Jessica, et voici une photo de nous deux. Voilà. Y a-t-il des jours où tu te dis que tu aimerais faire autre chose que des vidéos? Alors c'est très intéressant comme question, parce que j'ai un petit peu réfléchi, et en fait la réponse est assez évidente. Y a rien de plus épanouissant que de faire des vidéos pour moi aujourd'hui. Dans toute ma vie, c'est ce que je préfère faire. Voilà, de tout... à part baiser, bien évidemment. Jessica. Quel est ton film préféré? Voilà, une question très compliquée, hein, parce que j'aime plein de films, Big Fish, Akira, Jurassic Park, Star Wars... Mais je pense que le film qui m'a fait le plus kiffer dans toute ma vie, c'est The Mask. Splendide! Est-ce que t'as déjà eu un manque d'inspiration? Alors oui, parfois tu sais pas trop quoi raconter, et le mieux dans ces cas-là, c'est de ne rien dire, hein. Et c'est quand tu ne cherches pas l'inspiration qu'elle vient le plus souvent, donc voilà, faut apprendre à gérer ça, et surtout à raconter des histoires que t'as vraiment envie de raconter. As-tu déjà signé des autographes? Non, pour une raison très simple, c'est que je ne sais pas écrire. Comment tu te sens quand tu regardes une de tes anciennes vidéos? Comme ça. C'est Monsieur Dream, aujourd'hui je veux faire part d'un de mes coups de gueule. Pourquoi tu fais moins de vidéos qu'avant? Alors j'ai eu plusieurs fois cette question, ça m'a pas mal intrigué. Comme je suis un grand journaliste d'investigation, j'ai réalisé cette petite frise de mes vidéos depuis plus d'un an. Et je ne pense pas faire de moins en moins de vidéos. Je pense en faire autant. Surtout si on rajoute les bêtisiers et mes vidéos Cyprien Gaming si vous aimez les jeux vidéo. En tout cas, si vous pensez ça, ça veut dire que vous en voulez plus. Donc ça me fait plaisir. Voudrais-tu faire du Muggle Quidditch? Alors je sais que le Quidditch c'est le sport dans Harry Potter parce que j'ai lu tous les livres. Et ça c'est la version avec des vrais joueurs. J'ai vu des vidéos sur internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la drogue tout de suite. Ceci était un communiqué du ministère de la Santé. Tu penses toujours pécho après ça? Alors, en vrai, je vous ai menti. Voilà, je suis pas en couple avec Jessica. Ça va vous étonner, mais c'était un photomontage en réalité. Et en vrai, je suis en couple avec Patricia. Tu m'as appelé, Cyprien? Réponds! Wow! Réponds, je te dis! Voilà. Ta réaction quand t'as eu 5 millions d'abonnés? Yes! Ouais, t'es mignon, tu fais moins de bruit, ok? Oui, Patricia. Voilà! Mais parce qu'en fait, j'ai 5 millions d'abonnés. Tu baisses les yeux! Bien! Est-ce que tes vidéos sont vraies? Absolument. Hein, le mariage homosexuel de ma cousine, le vol de mon ordinateur, tout ça est vrai. Comment tu as rencontré Squeezie? Alors, c'est une histoire assez banale. Ah! Excusez-moi. C'est pas grave, c'est bon. Ça vous dit de créer une chaîne YouTube avec moi? Ah, oh, mais oui! Mais bien sûr! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à tout. Puisque vous m'avez posé en tout 25 000 questions.
En humoriste, tu préfères Kev Adams ou Gad Elmaleh? Alors je préfère Gad Elmaleh, parce que moi aussi, je rêve d'une banque. Stop!